Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, première vidéo de l'année 2019, donc je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année avec plein de bonnes choses. Donc voilà, c'est reparti pour un haul action, donc premier haul de cette nouvelle année. Un peu déçu, hein. Pas grand-chose, pas beaucoup de nouveautés, enfin. On trouve toujours bien sûr des petites choses, donc comme d'habitude, ce sera une vidéo relativement variée avec quelques nouveautés, mais bon, pas grand-chose. Alors, je vais commencer par. Alors, bon, j'ai des problèmes de lumière parce que je sens que la neige va bientôt arriver. Alors, on a trouvé de la marque Biphase Kératine Liquide, donc c'est un soin protect sans rincer. Pas bien parce que c'est transparent, donc c'est les filles qui ont pris ça. Donc il faut pulvériser, modeler et coiffer. Élixir de beauté pour vos cheveux. Après, donc on a trouvé un petit pyjama, donc comme ça, je vois si vous voyez bien. Alors je vais le défaire. Donc l'eau se présente comme ça à manches longues, col rond. Donc le bas, comme ça, qui va bien jusqu'en bas. Donc super pour l'hiver. Un petit haut comme ça, à fine bretelle pour mettre sous les pulls. Donc c'est vrai que nous, dans la région lyonnaise, quand il se met à faire froid, il fait froid. Donc bon, bah, ça c'est une taille S. Je trouve qu'il taille quand même relativement grand pour une taille S. Donc, on voulait des noirs, il n'y avait que des blancs, donc on a fait le stock en blanc. Bon, bah, pour celles qui me connaissent, elles savent que bon, d'habitude chez Nose, je prends toujours, donc c'est des petits flacons comme ça avec des bâtons. Alors, j'ai pris orange cannelle, parce que d'habitude, il y a des parfums que j'aime pas, et c'est la première fois où j'avais en fait trouvé des parfums qui me plaisaient. Parce que rose, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Donc vous avez les petits bâtons qui sont comme ça. Alors souvent, moi je suis assez curieuse de voir, parce que quand même c'est un objet un peu décoratif, de voir la base. La base est quand même super sympa avec un petit embout comme ça en bois. Ce qui fait quand même un objet décoratif. En plus, ça sent bon avec ces petits bâtonnets en bois. Et comme. C'est la première fois, c'est une catastrophe cette lumière, que je trouvais donc des parfums que j'aimais. Bon, bah, celles qui me connaissent, elles savent que j'aime les fruits rouges, donc j'en ai profité pour prendre aussi les fruits rouges. Donc c'est groseille, enfin c'est un mix de berries. J'ai repris parce qu'ils sont super bien, ils passent bien au lave-vaisselle, donc j'ai repris un moyen comme ça, un petit saladier en inox, vraiment ils sont bien. Et un tout petit comme ça. On s'en sert pour un petit peu tout, les petites salades, pour l'apéritif. Vraiment super pratique. Donc j'en ai repris deux. Bah, peut-être que j'en reprendrai d'autres si, peut-être s'il y a la taille supérieure pour les salades, pour les grandes salades éventuellement. Et des barres. Alors toujours, je recherche donc sans gluten. Donc chocolat orange avec du riz. En ce moment, je ne sais pas, j'aime bien les galettes de riz. J'en avais trouvé, je ne sais plus où, au chocolat noir. Et là, donc, quand j'ai vu chocolat orange sous forme de petits sachets comme ça à emporter, j'ai craqué. Voilà, c'est bien pratique. Et puis, bon, bah, sans gluten, donc vraiment ce qu'il me fallait avec des fibres. Voilà. Bon, bah, ça, c'est les filles, hein, gourmandises, Milky Way. Donc, ça, à chaque fois, on n'échappe pas. Hein. Il y a des articles comme ça qu'on reprend à chaque fois chez Action. Un highlight liquide. Alors, j'en avais vu dans les vidéos. J'en avais jamais trouvé. Alors, j'en ai eu un dans mon calendrier de l'Avent qui était un peu plus marronné. Et là, j'ai trouvé que celui-là. Ce système de pipette super bien. Alors, mais bon, cette fois chez Action, ça ressemblait un petit peu à Nose. Tout ce qui était produit de beauté, c'était tout mélangé, limite dans un bac. Hein. Donc, vous voyez.
Et donc, j'aime bien, donc, c'est sous forme de petites pipettes comme ça. Donc là, si j'en prends pas, ça va pas le faire. Si vous voulez un retour sur le calendrier de l'Avent, avec ce que j'ai eu, j'étais quand même... bon, il y a toujours des flops, mais quand même, j'étais vraiment surprise. Pour... Voilà, donc, ils sont quand même super. Oui. Bon, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que, heureusement qu'il y a une pipette. Voilà. Alors, après, j'ai trouvé ce petit... Alors, je vais vous le monter, puis je le prendrai en photo. Donc, ça fait un espèce de petit plateau comme ça à étage pour l'apéritif ou éventuellement pour mettre le fromage. Je ne sais pas tout à fait la taille de ce petit service de dégustation. Alors, en plus, il n'y a rien de marqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter et je le mettrai en photo comme j'ai l'habitude de faire. Non, il n'y a aucune taille. Mais bon, je pense que ça ne doit pas être bien grand. Pour un apéritif dînatoire, j'ai trouvé ça sympa avec, donc, ça doit être de l'ardoise et le bois blanc comme ça. Donc, j'ai refait le stock de stylos parce qu'ici, les stylos, ça disparaît à une allure faramineuse. Donc là, bah, j'ai pris noir, deux noirs, deux rouges, deux bleus, tout ce qui est plus classique. Et puis ceux-là, donc, je les ai trouvés sympathiques. Pour mettre dans le sac, c'est un petit peu plus joli que ça. Mais bon, de toute façon, ça reste des stylos. Mais au moins, j'espère en retrouver. Parce que ça disparaît tout le temps. Donc, cette petite palette. Donc, il y avait aussi des fards à paupières. Mais les fards à paupières, franchement, c'était pas ma tasse de thé. Enfin, du moins, c'était pas les couleurs que j'aimais. Les filles, ça leur plaisait pas. Par contre, j'ai trouvé que les... Comment dire? Que les blushs étaient sympathiques. Alors là, voilà, cette petite palette. Bon, je ne vais pas pouvoir la swatcher parce que j'ai plein de... Vous voyez, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup de highlighter sur les mains. Bon, je vais peut-être tenter quand même. Allez. Hop. Par contre, ils m'ont l'air d'être très, très, très poudreux. Je ne sais pas si vous voyez... Alors... Ouais, ils sont pas top. Ils sont super, voyez, super poudreux. Bon, à voir, bien étalé. Voilà. À voir. À tester. Mais bon, par contre, ils tiennent super bien. Bon, à voir. Donc, et puis pour finir, j'ai trouvé cette petite brosse. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc j'avais besoin. La mienne, à force d'enlever les cheveux, enfin, elle n'était pas nickel, donc j'ai racheté une brosse. Voilà donc pour ce haul 2019. Donc, comme prévu, oui, bon, j'ai préféré faire ce haul action plutôt que le haul crash test sur le masque. Les vidéos sont prêtes, mais il faut que je les, comment dire, que je les regroupe. Donc, ça va me prendre un peu plus de temps. Donc, je pense que ça sera la prochaine. Hein. J'espère enfin pouvoir tenir mes promesses. Hein. Ça va être les résolutions 2019. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et que si mes vidéos vous plaisent, de vous abonner. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.